Bonjour, ma Mélodie, tu as décroché très vite. Oui, ma chérie, j'attendais ton appel. Très bien, mamie, parfait. Oui, aujourd'hui, on va voir comment construire des lits d'enfants. Au top, mamie, va te préparer pour m'accueillir, je serai là dans 1 heure. D'accord, je t'attends, ma chérie. Prends tes clés, on ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie, à tout à l'heure. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie, ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis! Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais accéder au plateau 10, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Alors les amis, c'est parti pour cette émission d'écho donc sur les lits. Donc les lits d'enfants cette fois pour changer. Donc c'est parti. Donc le premier, tout simplement, vous allez prendre un lit et mettre tout simplement une pancarte au bout. Et voilà, ça vous fait une tête de lit. Second lit, possibilité, c'est de mettre tout simplement une trappe, donc le type de trappe que vous voulez. Et voilà, ça vous fait une tête de lit un peu plus imposante, on va dire. Troisième idée est tout simplement de mettre deux trappes, une en bas, une en haut, une en bas, quoi, vous voyez. Et tout simplement, voilà, de faire deux têtes, voilà, pour faire un peu un lit un peu plus classique. Quatrième possibilité, tout simplement, vous allez prendre un escalier que vous allez devoir mettre comme ça. Un autre que vous allez devoir mettre comme ceci, si on y arrive. Yes, comme cela, et au milieu, mettre tout simplement une petite dalle, et après prendre des carpettes et prendre de la neige pour faire un oreiller avec un peu plus d'épaisseur que la pellicule, enfin le tapis, quoi. Voilà un peu pour les quatre premières idées de lit. Donc la cinquième est un peu plus pas classique, on va dire. C'est un lit superposé, quoi, on va dire. Donc, c'est pas on va dire, c'est carrément ça. Donc, on va mettre deux planches comme ça. On va prendre deux lits. Donc, là, j'ai pris des oranges. Bon, après, c'est la couleur, c'est en fonction de vous, ce que vous voulez. Vous les mettez l'un au-dessus de l'autre. Vous allez mettre des trappes ici, que vous allez fermer pour faire les têtes. Et vous allez prendre tout simplement des pancartes. Après, c'est surtout en haut qu'il faut le mettre. C'est pour faire une barrière, vous voyez, au lit, pour pas qu'on tombe. Alors, je pense que si vous voyez un peu les lits superposés, vous voyez de quoi je parlais. Donc, j'en ai mis en bas. Sur l'autre moderne, pattern là, à côté, mais franchement, c'est pas nécessaire. Donc, des escaliers, non, des échelles pour pouvoir tout simplement monter dans le lit. Donc, c'est important de faire ça contre un lit parce que si vous le mettez comme ça en plein milieu, il faut mettre des barrières aussi, enfin des barrières, des panneaux, pardon, de l'autre côté, histoire que ça puisse pas tomber et que ça fasse une barrière anti-chute au lit, quoi. Donc, le deuxième pattern de lit superposé, c'est tout simplement celui-là. Où ce qui change en gros, c'est que là j'ai utilisé des escaliers, vous voyez, pour pouvoir clôturer le lit. Donc un escalier comme ceci et un escalier comme cela. Et devant le lit du dessus, j'ai mis tout simplement des portillons. Donc vu de en haut, voilà, ça se voit que c'est pas collé, mais vu d'en bas, ça se voit pas. On croirait que ça fait une barrière. Donc voilà un peu l'idée. Donc après, un lit un peu plus fun, on va dire, c'est tout simplement un lit de Formule 1, quoi, on va dire. Donc vous mettez tout simplement deux comme ça concrètes, d'accord? Vous allez les espacer de deux, vous allez remettre de la concrète comme ça. Vous allez prendre des escaliers, vous voyez. Hop, que vous allez mettre comme ça, comme ça. Hop, le lit tout simplement, vous voyez qu'il est au niveau de là où il y a les escaliers. Donc ici. Là, vous allez mettre tout simplement dans le fond escalier, enfin escalier bloc plein ici, ici. Vous allez prendre, vous voyez, des dalles là, que vous allez passer sur vos roues. Comme ça, vous allez reprendre un escalier que vous allez passer là au milieu, et vous voyez clairement que là à l'arrière, j'ai juste mis deux escaliers avec un coffre histoire de faire une malle de jeu, vous voyez, comme on peut mettre dans les chambres d'enfants. Et sur les roues, voilà, j'ai mis des boutons pour faire un effet de pneu. Et voilà un peu pour le lit de Formule 1. Donc, vous voyez, rien de très complexe au final, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Alors là, c'est plus des lits bébés, on va dire. Donc voilà, vous prenez un lit, vous mettez des trappes tout autour, vous voyez, et ça fait un petit lit bébé. Deuxième possibilité, c'est tout simplement avec des trappes en fer, d'accord? Et des blocs de neige. Donc, vous mettez votre bloc de neige, vous mettez votre lit, vous prenez vos trappes en fer, comme ça. Mais vous voyez, là, elles ne sont pas fermées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre un levier et hop, l'activer. Et voilà, ça vous fait un lit bébé. Donc voilà, rose pour les filles, bleu pour les garçons, n'est-ce pas, hein? On fait classique au classique. Mais en vrai, voilà un peu pour les idées de lit bébé et des lits superposés et des lits classiques pour des enfants, quoi. Et un lit un peu plus fun avec le lit de Formule 1 que je trouve vraiment un peu plus stylé. Donc voilà, pour cette émission, les amis, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à donner des retours pour ma Mélodie qui m'aide pas mal sur cette émission. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante et à demain. Pour une prochaine vidéo. Ciao à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao les amis. Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas.